Bonjour les amis, je vais vous présenter Momots. En tous les cas, mon expérience avec Momots, c'est un site qui achète et qui revend des articles tels que des livres, des CD, des DVD, des jeux d'occasion. Et voilà, donc au tout début, il faut mettre une application sur son portable et scanner les codes-barres. On se prend au jeu, c'est très sympa. Et donc voilà un petit aperçu de ce que je voulais vendre. Il y avait des 45 tours aussi, comme I Will Always Love You de Whitney Houston. On me disait 5,64 €. Donc au total, quand vous comptiez tout ce que j'avais mis dans le panier, je devais récupérer 27,97 €. Donc très sympa. Pour commencer enfin, pour finir la fin de l'année 2017, je trouvais ça très sympa. Et en plus, j'avais le droit à un bon de 5 € de bienvenue. Donc sympa. Malheureusement, quelques articles n'ont pas été acceptés. Ceux qui, j'espérais, allaient me rapporter le plus, comme Animal Crossing, comme les 45 tours. Donc voilà. Et Momots me demandait ce que je voulais faire. J'avais le choix entre leur laisser ou alors récupérer mes articles. J'ai tout d'abord regardé ce qu'il faisait des articles comme ça dont il ne voulait pas. Et j'ai lu que si vous ne souhaitez pas récupérer vos articles, ceux-ci seront pour la grande majorité, en raison de leur mauvais état, jetés selon les règles de tri sélectif en vigueur. Si nous estimons qu'une remise en état d'un article refusé est possible, nous nous réservons le droit de le remettre en état et de le revendre en état acceptable, permettant ainsi d'amortir une partie des coûts logistiques occasionnés. Donc à ce moment-là, j'ai demandé le retour de mes articles. Ils ont payé les frais de retour et qui étaient pour eux de 9 euros. Ils n'utilisaient pas J'ai reçu en Colissimo et ils n'utilisaient pas mon Dial Relais comme ils avaient fait au départ quand j'avais fait mon colis de tous mes livres. Ils avaient payé les frais d'envoi et ils avaient utilisé mon Dial Relais. Là, ils utilisaient Colissimo et ça me coûtait 9 euros qui étaient déduits de ce que je devais toucher. Et pour finir, donc, voilà. Voilà ce qui m'ont viré, la somme de 5 euros sur mon compte. Voilà, pour finir. Donc voilà les amis, si vous êtes, j'espère, intéressés par mes quelques exemples, mes expériences de vie, pourquoi pas mettre un pouce bleu et s'abonner. Merci.